compagnie de transport qui s'appelle Fodan Transport, une compagnie petit moteur. Et je réside aux États-Unis, plus américain comme deuxième nationalité. Je suis dans les transports. Il y a de cela 3 ans, nous avons mis sur pied une compagnie de transport qui s'appelle Dan Transport. Dan Transport, c'est une compagnie de transport qui est basée à New York, qui se charge des transports de luxe, de l'aéroport, dans les offices et dans les petits états. Je suis Mouba, j'aime Fodan, j'ai toujours milité pour Fodan. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, plus qu'au Togo. Je voudrais que je laisse aussi un nom de chez moi dans les archives américaines, ce qui m'a poussé à donner ce nom. Petite compagnie, mais aujourd'hui, il y a Fodan Transport à New York. Fodan représente le Grand Tourne. Fodan n'est plus l'équipe d'antan. Fodan devait jouer à Lomé ici. On voit comment Lomé bouge la couleur de Fodan. Mais la gestion vraiment de cette équipe-là n'est pas dans ses normes. Donc moi je pense qu'il faut revoir la gestion, surtout les financements. Et pour pouvoir donner beaucoup de crédibilité à ceux-là qui veulent financer. Nous voyons les grandes équipes en Europe, comment les finances, tout ça là, c'est le produit qui compte. Donc, si il faut financer une équipe et on voit que l'équipe ne voulut pas, ou bien les financements n'arrivent pas, ou ça d'arriver. J'ai aussi entendu comment les joueurs sont gérés. Des fois, les joueurs viennent même ne trouvent pas à manger et c'est inadmissible. Comment ils peuvent venir sur le terrain jouer, on leur met 500 francs. Bon, c'est pas normal. Moi, je pense que nous allons revoir cette équipe-là. Si vraiment, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, qui soit dans les dirigeants de Fodan, mais il faut qu'ils se redoublent d'efforts et qu'ils soient sérieux dans tout ce qu'ils font pour donner plus de crédibilité à nous autres. Nous, on veut financer l'équipe, on veut l'équipe-là avancer et que la région, c'est tout Dapaon, soit encore appelé l'équipe de d'apparence de Fondant. Vous voyez, donc mon appel, c'est que le groupe, ceux qui sont là, je ne connais pas aujourd'hui le président, peut-être c'est l'ancien qui était là. Bon, il y a un nouveau président, il n'a qu'à se ressaisir, voir ces éléments. S'il y a un mauvais grain, il faut l'enlever, donner crédibilité et à ceux-là qui vont financer l'équipe de Fodan. Moi personnellement, je suis prêt. Si les choses sont potables, bon, je peux apporter une participation, si même que ce soit, mais je vais participer et donner quelque chose pour que l'équipe là revienne. Une équipe qui était dans la première division se retrouve aujourd'hui dans la deuxième division. Et bon, ça n'a pas de sens. Donc, si il y a aussi des frères et sœurs qui sont à l'extérieur, dans la diaspora. Bon, je lance cet appel aussi pour que nous puissions tous réunir nos efforts et embrasser encore cette équipe-là, les motiver à aller de l'avant.